Mais démarre ta critique, arrête de faire mon douille, putain. Vous avez placé ce parc plutôt sur un site volcanique. Bravo bande d'abrutis. Oh, ils sont crétins, c'est pas possible. Fichu chaise de l'archiduchesse, chantelle sèche, archi-sèche. C'est aussi la présence de Olivier Rabourdin, voilà, qu'on avait pu voir dans Tekken, et aussi Sébastien Poudreau qui joue un jeune homme étrange. J'ai l'impression que t'importe les noms. Au fur et à mesure. On va recommencer. Ragondin, poule de roue, tour de roue. Stanley Tucci, avec un C ou deux C? J'ai mis deux C, j'ai pas vérifié. Ah bah c'était ça. Bon, bah je pourrais continuer, mais je sens que je suis mal parti, donc... Je suis Jack Sparrow, je deviens complètement barré, j'en ai marre, j'arrive pas à la tourner cette critique. Oh, je crache partout, c'est pas grave. Bien. C'est parfait. Ah, bonjour Nico, bonjour, cette belle journée d'été. Nous allons parler. Non mais en plus c'est pour ce film, avec un été aussi pourri. On est dans le contexte, moi. C'est... Ah, j'ai mal au ventre. Oh non, c'est parti. Je fais comme James Bond, je fais ma pub de la montre. Enfin, de la montre, de la montre, là, je sais plus parler. J'invente un petit accent italien. Pourtant, James Bond, je crois pas qu'il soit... peut-être qu'il est un petit peu en Italie. Mais c'est pas sourd quand même, je crois que... il a pas mangé de pizza, il a préféré prendre de la vodka. Il devait être en Russie, du coup. Ça sent le Russie d'ailleurs. Pour James Bond, le pauvre. Oui, puisque mourir peut attendre, mais bon, hein. Personne n'est éternel, hein. Spoiler, pas spoiler, ouh. Honnête, c'est. Voilà. C'est 10 ans de retard. Merci. Et comme Avatar, ça ne nous intéresse pas, allez. C'est parti. Allez. Oh, je vais voler un téléphone. Oh, oh là là, j'ai gagné un abonné. Vas-y, monsieur Incre, merci. Ah oh, tu m'as mis du Covid sur le téléphone. Je viens fou. Bonjour, bonjour, c'est pas ma voix ça. Bonjour. Bon, alors. Donc, ils sont crétins parce qu'ils les ont emmerdés. Voilà, en fait, ce qu'ils sont, c'est... Ils me donnent de l'argent, je fais ce que je veux, et ensuite je bois tout. Heureux qu'il n'y ait pas ses ennemis qui arrivent, hein, parce que alors la spectre, il le zigouille en moins de deux, là. Ce serait drôle, d'ailleurs. Oh, j'aurais adoré voir ça, hein. Voilà. C'est parti. Bonjour. Salut la compagnie, c'est Jules Melon et c'est de travers. C'est pour ça que je t'ai demandé si c'était bien cadré. Parce que là, j'avoue, j'ai des doutes. Alors aujourd'hui, on va parler d'un film. Oh, j'ai été envoûté par Ridley Scott. Je ne pourrai plus jamais voir les films de la même manière désormais. C'est pas vrai. Oh, 1917 est un bon film. Ah là, mon avis sur les films a complètement changé. Oh, le film Pixar Soul est un bon film. Oh, mais je suis drogué, c'est pas possible. Oh, Ridley Scott, arrêtez, c'est pas possible. Oh, j'en perds mes yeux. Oh. C'est pas vrai. Bip, bip, bip.
Bonjour. Aujourd'hui, Baptiste, retour. Et citons aussi la présence d'Olivier Rabourdin, qu'on a pu voir dans Taken notamment, et de Sébastien Poudreau. Voilà. Alors, quelle est l'histoire de ce boîte noire Je vais éviter pour de rond, c'est fou. Aïe. Bon, allez, vous fermez vos volets, messieurs, c'est le couvre-feu. Oh, ça y est, il est 19h.